Haïtien pralé, blanc a acheté tête. C'est ça qui a passé actuellement là en dans pays d'Haïti. Gouvernement Ariel Henry ak au commandement la police nationale d'Haïti a chita sous trône yo. Yo gen yon fòm nan chaque main nan chaque pied, kap pose les zong yo, youn ap karese tête yo, l'autre la ap roule vent yo. Ti pistache nan men yo, y a prétend pistache la transformé en mamba. Mais pas de pièce action qui pose pour ça capable fait. Ça qui veut dire, pistache pour qu'on grille, pistache pour qu'on gagne machine qui capable mouler pour le tourner en bas. M'entendez, je prends bay tout peuple haïtien en bas. Mesdames et messieurs, gouvernement Ariel Henry a fondé gros espoir sous gouvernement canadien qui était capable d'aider normalement avec question intervention militaire là. Mais chef là, mais Canada a campé l'idou. M'capable d'aider l'Ukraine. Mais insécurité pays d'Haïti a, li trop raide, li trop fort. M'ba capable avancer la donne. Eh bien, c'est ça qui fait que la police nationale d'Haïti lui-même crée façon pour mener opération. Nous prenons le temps de bilan opération. La police fait nan mois février qui saute passé à là pour commencement mois de mars, mesdames et messieurs, et on t'est tout profité annoncer que gay ont avis de recherche derrière 14 moun dont pasteur Gérald Bataille, vite l'homme innocent ak 8 policiers. Mais vite l'homme innocent et va toi celle-là yo di m'y rete ou di moins est-ce que vite l'homme innocent réussi changer caille? Nous pral tande Gary Desrosiers t'a le comme ça. Hey! Yuri la tortue paraît devant caméra. Glo a coulé dans gel, demain la tête, l'irélé en mouille, abat abus, abat violence, abat diffamation, ULCC, sous famille, la tortue. Li débarqué avec tout passeport maman l'amène pour capable montrer qui dernière fois maman te voyagé. Et Yuri la tortue fait qu'on est femme lien, pas doué, on a encore. Mais est-ce que ça veut dire c'est on a qu'à bail menti ou du moins ce rapport d'enquête ULCCA qu'à bail menti? Nous prenons le temps des déclarations Yuri la tortue non un titan qui pas trop long. Jeudi vendredi à mesdames et messieurs, commissaire Jean-Ernest Muscadet t'est convoqué directeur immigration Miragwana pour être capable venir répondre question. Et bien directeur a dit lui-même li pa font pas kita. Li pa fè yon pa nago. Et bien c'est ça que fait avocat Frisnel te parlé nan nol. Nous pral tan de déclaration tout à l'heure comme ça. Coucou tout le monde, bienvenue ou sous Info 5, chaîne information avec Fabiola Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou à rubrique information ça. Bien avant nous aller plus loin, on a pris le temps pour nous dire merci. On savait quand même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même, qui toujours invité en famille ou en amis, abonné à Info 5, puis capable toujours être connecté avec bonne information. Jeudi, c'est vendredi 10 mars 2023, pas oublier, snap conduit pas boire, snap boire pas conduit. Parce que ATA piégé et c'est celle nous-mêmes qui gagnait responsabilité pour nous capables de protéger tête nous. Eh bien, avant d'aller plus loin, bon raconter nous une petite histoire. PM Ariel Henry qui débarquait la caille Papa Bon Dieu. Il demande Papa Bon Dieu qui solution qui gagne exactement pour être capable aider pays d'Haïti sortir dans l'insécurité ça à crise ça que lui a fait face depuis quelques temps. Mes amis, il y a un monde qui te promet sécurité ta blaye dans moins que 2 mois dans pays après installation comme premier ministre, mais 20 mois passés jusqu'à présent, il n'est pas capable de faire rien. Donc, il est obligé à caille Papa Bon Dieu. Papa Bon Dieu, Galé Ariel, il dit comme ça, mettez sous pied conseil de transition, hein. Et puis, mandez États-Unis, mandez Canada aide-li, afin, pour être capable de joindre une solution à ce problème, là. Ariel Henry, pas fait être dit vrai, il mettez sous pied conseil de transition, hein. Il mandez États-Unis à Canada aide-yo. Pendant un mois, Canada bat espoir, réunion sous réunion, rencontre sous rencontre, a capable de gagner une intervention militaire. Mais Canada kounya là, li revendique, li dou, problème pays d'Haïti a trop complexe, li pap ka fouye bouche la donne, donc li pap voye yon intervention militaire, alors que nous tout te connaît, pas d'ab jam gagner intervention canadienne en de pays yavre, c'est si parole yon tap ba nou. Yo tellement ban nou ti parole, yo te mette drone dans l'air pour nous, yo mette avion pour nous, yo mette bateau sous la mer pour nous comme quoi yo t'ap essayer aider nous nan façon pa yo. Mesdames et messieurs, pays d'Haïti besoin pour moun yo lever campé pour li. Pays d'Haïti besoin
pour haïtien capable chercher une solution à problème nan à situation et me garantis nous si toutefois gon levé capé ka fait pour un changement moi même m'a participé mais fuck moun sa yo ki sou pouvoir yo ta commencé tomber puis mal passé pour nan tout le temps moun ki ta vive en bas la ville c'était moun en bas yo te mette touye yo viole yo ça pa regarder moun ki en haut. Mais dans le moment où on a parlé là, il y a des gens qui restent dans le corridor, puis en sécurité, parce qu'il y a des gens qui restent en haut. Quand il y a là, le problème n'a concerné nous tous. Puisque à un moment donné, le problème n'a concerné seulement un groupe de gens. C'est ça qui fait, nous ne sommes pas capables de faire pas dans le pays. Eh bien, bagaille prend l'autre face dans le pays ici-là. Côté normalement, toute journée, le gouvernement a appelé, le gouvernement a demandé. Au commandement de la police a même lancé opération qui relève les tornades, mais mon petit vent pas souffler. Mais comme nous tendez, porte-parole là, Gary de Rose gagne bagaille pour le parler de ça qui t'est passé dans le mois février. Pour commencer le mois de mars, entendez, porte-parole Gary de Rose. Nous toujours dit que travail là va pas faire. Les policiers seuls ont la position de la caméra là. Et ça fait que nous devons demander participation citoyenne. Parce que nous ne sommes pas capables de rien mettre les policiers devant chaque impasse, devant chaque corridor. Et ces populations humaines qui jouent le rôle de la police pour nous, en termes de nous garder, en termes d'éclairer pour nous, pour que nous puissions faire la caméra. Nous conscients effectivement des situations qui a développé dans les zones de là. Et il n'y a rien de. Dans ce sens, je crois que au niveau de son département, il a renforcé l'équipe là. Mais c'est même l'équipe ça qui n'a quatre populations qui sont mobilisées, ce n'est pas forcément même qui ont dépassé. Alors comme on n'a pas de fonds en élaboration pour que techniquement basé tout pareil, mais et nous prenons encore notre population. Pas simplement au niveau de ça, mais également pour les situations qui a développé au niveau Bel Air et qui a développé au niveau Fénino. Et nous avons vu la population dans la zone Sahara, surtout sur nous, qui dit que nous même une partie des bandits dans la zone. Et nous prenons que c'est un très bon signal. Et l'autre quartier, justement, côté que bandits prennent otage dans cette population, pour les décamper ensemble avec la police, pour que nous puissions arriver, déloger un espace, pour que nous soyons capables de lever maintenant nos collègues et conduire devant la justice. Alors, l'être déloger, et pas déloger côté où il y a l'autre côté, mais c'est pratiquement une bataille. Au niveau de la PNH également, il faut partager ça pour les partager au niveau de la population et tout secteur qui concerne la sécurité. Ton Gary, ton. Tout journée, la police pas de moyen. Tout journée, la police pas de moyen, pas si et pas là. Mon tante a saisi conteneur ZAM. Ou tante a saisi conteneur cartouche. Tout journée, la police prend 12. Li bon M1, li bon Galil, li bon T9, li bon T65, nan men yon bandi. Dim non, zam sa ou ki sa nou fave yo? Le nou pren ou kon sa, ki sa nou fave yo? Nou bay bandi yo encore ou du moins? Dim exactement ki sa nou fave yo? Parce que comme goun paquet policier qui fait partie de groupe gang, on dirait nou bay policier sa ou zam sa yo, pi yo capable frapper dans la ria. Le aucun béo puis on va jeune zame la police nationale d'Haïti à nan meyo ou quoi des problèmes qui gagne dans pays ça ou quoi des bagages nous gagne pour nous pencher sous dit pour nous voir solution dans pays ça ha on continue porte parole dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse gagne 14 années de recherche pour le moment qui lancé parmi eux 8 policiers. Paulas Régel, ami de recherche. Jean-Baptiste Altès, policier. Encore, on a compté que Paulas Régel sont policiers. Jean-Baptiste Altès, policier. Lundi Jameson, policier. Sylvain Hervé, policier. Pierre Leslie, policier. Milford Roosevelt, policier. Rodriguez Evaldo, policier. Et Sila Esther, qui est un policier.
et parmi 14 Sahara, il y a tout prévôt au Sahara, à la recherche. On nous connaît bien. Badiou Joseph Félix, pasteur Gérald Bataille, également Innocent Vie de l'Homme, ou ensemble coopération et affaires traitées au niveau de l'Assemblée nationale du 15 février à date, sous tout le département, mais il y a deux considérations. Parallèlement, sous l'opération d'Ordnathan qui a continué, également au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Gagné en total 11 armes qui saisies, plusieurs munitions et 10 véhicules qui confisqués par la police, 5 kg de cocaïne saisie, 12 kg de marijuana saisie et 4 cas de viol que nous recensés, dont 2 mineurs, gagné plusieurs bandits qui malheureusement blessés mortellement et au niveau de la circulation, gagné 10 blessés, dont 7 dans l'ouest et 6 morts, dont 3 au niveau centre. Gagné en total 462 arrestations qui faites sur tout le département. Nature, ensemble, arrestation de Sayo, c'est viol, agression sexuelle, homicide, vol de véhicule, enlèvement, détention, illégales armes, vol armé, recette, disons, trafic de drogue. DCPJ arrêté Jimmy Féville, Enzo Etienne, Jean-Louis Laguerre, Félor Belsin, et déférer 5 Mounsayo au niveau parquet pour détention illégale des armes, usurpation de titres, faux et usage de faux en nourriture, vol à main armée. Gagné Marc Holder, Milfort et Montinopé Marco, Christin Sampereur, Foufoun Pierre, Peterson Guillaume, Continuer et Boss Tonton, Prunor Alexandre, tout le monde arrêté et le déféré. Gagné Marjorie Rousse, le DCPJ déféré, pour implication présumée dans l'acte d'antisémitisme et affiliation de gagner avec un 5 secondes. Gagné pour Evans Laguerre, et qui a arrêté pour tentative de kidnapping et vol de véhicule le 7 février et le 23 au niveau Chamas. Au cas de Fiorio, les CBJ pour cette arrestation, Jean-Philippe et petit frère, 32 ans, pour viol et détournement mineur sur un mineur de 16 ans. Ça passe au niveau d'Elma, 33. Gagné Roman Luc, 47 ans, il a arrêté lui pour viol et au niveau 42 et son mineur de 9 ans. Gagné Difrance et Garni, et qui a arrêté lui-même pour agression sexuelle à ses soleils et sur deux mineurs. Il y a 15 ans et l'autre a gagné 16 ans. Et tout, toujours dans le cadre de la station de CBJ, Jean-René Mediva, Robinson Télémac, Osler Derby, il a été mis à l'autre implication de Zuméo dans l'acte de vol et association d'acteurs, gagné Jessly Joseph Tour, et qui lui-même a travaillé dans la Marine nationale, pour régularité lui, le 6 mars 2023, et pour l'acte de faux et usage de faux en écriture. Alors, je vais même lui a fait faux certificat de police judiciaire. Campez là, Gary, campez là. Pour dire au commandement de la police à comprendre le travail à faire dans le pays d'Haïti, pour dire la police à comprendre ampleur et gravité situation au pays d'Haïti, parce que je réalise qu'il ne pas comprendre rien. Mesdames et messieurs, Mikloni Pradel innocent, jeune arrestation, monsieur c'est un policier, elle c'est un agent Simo. Les jeunes arrestations, puisqu'elle t'a fait partie de gang Vite l'homme. Est-ce que vraiment la police nationale d'Haïti a arrivé un bonjour pour stopper Vite l'homme? Si que en dans groupe armé Vite l'homme nan chargé yon paquet policier et lik ba ou manger lik paye kay pou yo lik ba ou ti femme lik fè tout bagay pou honnête en général et nous connaît yon pap trahi Vite l'homme. Est-ce que gon opération tout bon vrai k'ap mené pour ça? Tout journée n'tande ap chèche Vite l'homme, 10 millions gout tout tête Vite l'homme, 1 million dollars américains sous tête Vite l'homme, mais tout pou konn Vite l'homme, personne pa ka touche Vite l'homme. Ça k passé
Ça qui passe exactement. Est-ce que son Perez? Est-ce que vite l'homme qui a trois bagages pour raconter avec peuple haïtien nous peur? Nous peur pour vite l'homme pas avili nous? En tout cas, nous entendons votre parole la police nationale d'Haïti qui a enquêté sur mené, qui continue de nous arrêter, continue de nous saisir. Et par rapport à l'assassinat président Jovenel Moïse, il a cherché Gérald Bataille qui chaque dimanche a prêché dans l'église avec vite l'homme innocent qui habitait la Torselle. Puis devant nous, il y a Yuri la Tortue. Yuri la Tortue, mesdames et messieurs, qui paraît devant la presse, glon angèle, genou la tête. La crié pour qui ça ULCC fait le qualité mal ça Yuri la Tortue, un politicien chevronné, un homme si bien éduqué, pas capable à le faire prendre on a pour pas te mettre l'argent. D'ailleurs, c'est pas lui même qui t'a signé, mais c'est pour lui qui t'a accompagné ensemble avec lui qui t'a signé dans nos fermes non. Donc il pas connait rien. Et mais mesdames et messieurs, ensemble avec moi entre les déclarations Yuri la Tortue, qui débarque avec tout passeport Immacula Cotave, qui se maman pour être capable de démentir ULCC. Est-ce que ça t'a vrai dit que rapport ULCC a erroné, ou du moins, c'est Yuri la Tortue qui gagne assez d'audace pour être capable de contourner tout yon rapport entre les déclarations Yuri la Tortue? Et je dis à moi, dis-nous, tout journaliste qui l'a dit, tout le peuple haïtien, tout le monde qui attendait, ferme la torture, pas de l'eau dans encore. LCC, pas respecté pour financer la vie. Il a bon bagage dans la rue, alors que s'il était invité, il était vérifié, il t'a trouvé pas de mesure de ça. Et c'est en 2020, moi je me demande parti chaque année, dernier voyage en 2020, parce que ça, il est obligé de courir avec à la l'étranger. Ça qui dit dans le rapport ça, et qui ça rapport ça a lié. Moi, je prends connaissance de l'emploi sur les réseaux sociaux et également dans la presse. Ça me prend connaissance de l'IA sur le résumé exécutif, c'est par rapport. Et dans le résumé exécutif là, il s'est dit que les lancements d'investigation à partir de réseaux sociaux sous les eaux salontes et des chèques qui ont circulé. Il dit que des chèques qui n'en ont pas même immaculé à la. Donc, c'est peut-être ça qui a lancé l'enquête. Ça a déjà étonné, non, mais les chèques qui ont circulé sous les eaux, mais ont choisi, et bien, faire enquête là, sous chèque ça. Bien, c'est continué pour dire que lancé l'enquête là, et mettre en commission sous place. Il mène l'enquête là de concert avec direction trésor et direction immigration et émigration, que nous dit DIE. Commission Sahara, il est capable pour examiner les documents. Mais malheureusement, Commission Sahara n'a jamais invité le monde qui était principal intéressé, c'est moi-même. D'où question de principe contradictoire pour étudier le droit comme ça. Je vais faire une enquête pour le principe contradictoire. D'ailleurs, l'ULCC a été révélé dans l'enquête déjà. Il a été révélé deux fois. Il a été révélé pour le détendre. Et après, il a été révélé pour le faire en confrontation. En façon, pour le décalé, disons pas. Mais l'ULCC a été révélé pour la mission de l'UNA. Mais dans le cas, ça, il m'a jugé pour ni révélé, ni informé. C'est juste la voie que nous tendons. C'est ainsi que l'ILCC, dans des démarche de faire l'arrivée à la conclusion, vous le dites que vous avez plus de points pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Nous-mêmes, nous pensons que par rapport à un matraquage politique qu'a fait, il est important pour nous répondre point par point de ça qui est clair, pour nous éclaircir la situation, parce que toute la question, c'est le matraquage politique. Je dis tout le monde et je vais expliquer chaque point que l'ULCC est écrit.
Il dit que Mme Cornet-Grandal a reçu des chefs du trésor public. Bon. Article 26.E, qui avait article ça, des règlements du Sénat, de loi Sénat, il dit que dès qu'un sénateur est élu, eh bien, il a droit à frais mensuels pour bureau. Bureau qui porte au prince et bureau qui n'a département. C'est loi Sénat qui dit ça. Et puis au Sénat, avec conférence des présidents qui fait, il dit que le sénateur n'a pas une question au monde de confiance qui pour gérer le bureau. Et là, il a fait budget Sénat, il met une ligne budgétaire pour 30 sénateurs pour que sénateur, chaque sénateur qui a reçu le chèque, ça va pour gérer le bureau à partir de ligne budgétaire. Et non pour Baïla, il doit signer par ni président ni question, c'est question à signer, président validé, et vous pouvez voir la poste à et contrat ça non pour les comptes qui doivent valider. C'est le processus a fini dans le budget de ça, il y aura chaque sénateur en chef de 300, alors chaque bureau sénateur en chef de 350 000 gouttes. Pour gérer personnel qui n'a vu le roi, mais 350 000 gouttes là, c'est brut, c'est 244 000 gouttes qui net. Ça veut dire, 30 sénateurs recevront avec moins de décennies en chef de 244 000 gouttes pour payer membres qui n'a vu le roi. Moi, je voulais insister sur ça pour dire deux manières. C'est tous 29 sénateurs qui recevront. Chef ça par rapport à coordinateur bureau. Adieu! Quand j'ai un jeune qui cherche ton pays, non, mes amis. Adieu, oh Yuri la tortue! Oh Yuri, c'est Nana! Et puis nous, cap. Yuri la tortue! Waouh! En tout cas, mesdames et messieurs, commissaire Jean-Ernest Muscadet est convoqué directeur général immigration et Miragouane. Et à travers avocat, il déclare que li pape déplacé. Et nous connaissons pas de monde qui défie Jean-Ernest Muscadet. Et parce qu'elle te voulait passer à travers la loi, qui fait le patte qui t'a mette en bas corde directeur si la entente de déclaration avocat y a. Constitué. Monsieur Aurel Jean-Louis, qui est responsable du bureau immigration dans le département dernier. Tout le monde connaît depuis quelques temps, parquet Miragouane, en la personne de M. Muscadet Jean-Enès, a persécuté. Et jusqu'à date, pour des raisons inavouées et inavouables, et que lui-même menaçait citoyen ça pour que lui te mette fin à la ville. Et si n'a fait rappel dans jour passé au te débarqué dans bureau directeur là, il te mettait maintenant collette, les saccager, battre tout ça. Donc c'est deux situations qui étaient regrettables. Nous-mêmes nous t'a suivre et pour finalement et parquet a pral invité pour le présenter dans le bureau le demain sous un soi-disant motif explication de grief de la population. Demain vendredi. Maintenant, étant donné que nous constituons pour directeur là, ils ont ensemble d'avocats, maintenant, dans le souci pour que nous respections la loi et respections le droit directeur là, nous adresser une correspondance avec parquet côté que nous dit parquet directeur là c'est li gagné supérieur hiérarchique li donc correspondance yo te voye bali pour le présenter devant parquet li acheminé et que l'aptan décision supérieur hiérarchique li pour le connaître qui ça pour le faire donc dans ce sens nous te adresser correspondance là avec parquet malheureusement pour nous l'un rivé dans parquet nous pas arrivé qu'on est dans qui n'est pas capable d'y intention que commis parquet à qui c'est Josué lui les refuser recevoir correspondance là et à date
m'a montré nous là, meni. Et correspondance là, commis paquet a pas recevoir, meni. Il pas recevoir, ça qui vient fait que ça nous voyait dit commissaire gouvernement dans cadre audition que t'as dû faire demain. Hein? Donc commissaire gouvernement lui-même pas informé de lui formellement. Qui raison qui fait lui pas recevoir? Bon, jusqu'à date, c'est lui-même qui t'a capable de dire pour qui ça ne va pas recevoir. Mais sauf que dans le couloir parquet, ils prétendent que ils en grève. Et tout le monde connaît, pendant qu'ils en grève, là, tout à fait, ils ont marché. Tout dossier a marché. Et comme preuve, il y a des documents qui signent aujourd'hui, qui sortent dans le greffe parquet aujourd'hui, qui sortent dans le parquet aujourd'hui et qui sont disponibles. En tout cas, si ma greffe a fait, n'a prêté ton suivi dossier ça correctement parce que nous connaissons Jean-Ernest Muscadet lui-même li pap campé là et c'est là nous mettez bout à coubique nous aujourd'hui. Merci d'être côté like commenter partager merci d'être invité en famille ou en amis abonné à Info 5 pour capable gagne bon information. Nous bon rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça restez béni et protégez-vous. Bye bye à la prochaine. Foucault. Politicien pas qu'à marcher. Ouais, maman, y'a.